Rejoignez la tour de prière. Rejoignez la tour de prière Summer TV, un cri de libération pour ma famille. Un ouragan de prière puissant pour la libération des familles avec la prophétesse Frida et le pasteur Bienvenue Manzioni. Rejoignez la tour de prière Summer TV, un cri de libération pour ma famille. Un ouragan de prière puissant pour la libération des familles avec la prophétesse Frida et le pasteur Bienvenue Manzioni. Rejoignez la tour de prière Summer TV, un cri de libération pour ma famille. Un ouragan de prière puissant pour la libération des familles avec la prophétesse Frida et le pasteur Bienvenue Manzioni. Rejoignez la tour de prière Summer TV, un cri de libération pour ma famille. Un ouragan de prière puissant pour la libération des familles avec la prophétesse Frida et le pasteur Bienvenue Manzioni. Père, me voici dans ta présence, t'offrir un chant de louange. Devant ta face, toutes mes craintes s'effacent. Mon cœur à genoux déverse mes insuffisances. Je viens je viens boire aux eaux de ta rivière. Je viens décidé à te chercher jusqu'à te trouver. Te trouver. Je veux voir ta gloire, Yahweh. Je veux voir ta gloire, Yahweh. Dans ma maison, lève-toi, Yahweh. Moi, je veux voir ta gloire dans ma vie. Oh Yahweh, je veux voir ta gloire, Seigneur. Trop de souffrance, Yahweh. Oh, oh, moi, je veux voir ta gloire, Yahweh. Oh oui, je veux voir ta gloire. Lève-toi dans ma maison, Yahweh. Lève-toi, 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 lève-toi. Oh, lève-toi, visite-moi, Yahweh. Ouvre le ciel sur ma vie.
assis dans ta présence, t'offrir un chant de louange devant ta face. Toutes mes craintes s'effacent, mon cœur à genoux déverse mes insuffisances. Je viens, Seigneur, pour céder mon cœur. Je viens, boire aux eaux de ta rivière. Je viens. Je veux voir ta gloire, Ella. Je veux voir ta gloire, Yahweh. Dans ma maison, lève-toi, Ella. Moi, je veux voir ta gloire dans ma vie. Oh Yahweh, je veux voir ta gloire, Seigneur. Trop de souffrance, Yahweh. Oh, oh, moi, je veux voir ta gloire, Yahweh. Oh oui, je veux voir ta gloire. Lève-toi dans ma maison, Yahweh. Lève-toi, 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 lève-toi. Oh, lève-toi, visite-moi, Yahweh. Ouvre le ciel sur ma vie. Voici dans ta présence, t'offrir un chant de louange devant ta face. Toutes mes craintes s'effacent, mon cœur à genoux déverse mes insuffisances. Je viens, Seigneur, pour céder mon cœur. Je viens, boire aux eaux de ta rivière. Je viens, décidé à te chercher jusqu'à te trouver. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis ce matin. On est encore bouleversé ce matin parce que YouTube ne... Je ne sais pas s'ils ont un problème technique, mais la même chose qu'hier. Donc, on est obligé de basculer sur Facebook, ce qui est vraiment dommage parce que du coup, beaucoup de personnes vont... rater la prière de ce matin parce que tout le monde n'a pas Facebook. Alléluia, gloire à Dieu. Alors je vais juste vous demander d'aller au bas de votre écran et de partager. Vous avez juste partagé ici, au bas de l'écran vous avez partagé et vous cliquez groupe, partager dans le
dans le groupe, dans les groupes. Vous allez voir, ça va sortir comme ça. Vous allez juste appuyer, comme ça, comme un jeu d'enfant. Vous appuyez, partageons la vidéo au maximum. Partageons. Si vous êtes adhérent à des groupes, vous partagez dans les différents groupes. Sinon, vous partagez sur vos différents profils. Partagez. Et je veux que les modératrices soient très prudentes. Ah oui, sur Facebook, vous n'avez pas la main. Bon, c'est pas grave. Je vais regarder, je vais moi-même essayer de faire le ménage. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire shalom? Dis shalom à ton frère, à ta soeur. Tu dis d'abord bonjour au Saint-Esprit. Et ensuite, tu dis shalom à ton frère, à ta soeur. Alléluia. Oh. Vraiment. Shalom, maman Isanga. Shalom, Adeline. Shalom, Christine. Sois bénie ce matin. Shalom. On partage au maximum. Partageons au maximum. Le diable est un menteur. Amen. On va faire comme ça et on téléchargera la vidéo. On la mettra sur YouTube tout à l'heure. Pasta, défoncez l'or. Nous allons la mettre sur YouTube tout à l'heure. On mettra la vidéo. Voilà. Donc les autres verront la vidéo en replay. J'ai mis le lien sur le WhatsApp. Est-ce que Cécile est là? Cécile, si tu es là, partage le lien encore sur WhatsApp. Voilà. Assure-toi que tout le monde essaie de voir sur WhatsApp. Les modératrices, jetez un coup d'œil sur WhatsApp pour voir que tout le monde a bien eu le lien. Voilà. Alors, aimez la vidéo. Donnez-moi des cœurs. Ici, c'est des cœurs et des quoi? Des pouces bleus. Je ne sais même plus. Ici, c'est des cœurs et des pouces bleus. Alors, donnez-moi des cœurs et des pouces bleus. Comme pour dire, nous acclamons. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Rien ne peut nous perturber dans le nom de Jésus. Alléluia. Et en espérant que dès demain matin, on pourra retourner sur YouTube vraiment. Parce que notre plateforme, c'est YouTube. Que le Seigneur soit béni. On acclame le Seigneur. Donnez-moi des cœurs. Donnez-moi des pouces. Pour dire que nous sommes d'accord. Pour dire que nous bénissons le Seigneur. Pour dire que nous sommes ensemble. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Shalom Nelly. Nelly, partage la vidéo. Partageons la vidéo. Soyons des intercesseurs du milieu. Soyons aussi des évangélistes du milieu. Soyons des sycomores. Vous connaissez déjà toutes ces choses. Je n'ai pas besoin d'expliquer c'est quoi un sycomore. Alors, partageons au maximum aimant la vidéo. Shalom. Félix, shalom Anissé, shalom. Alléluia. Désolé. J'étais bien réveillée depuis 3h30. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand je me suis réveillée après pour venir, YouTube ne marchait pas. Donc, ça nous a fait perdre du temps. Oh, que le Seigneur soit béni. Nous bénissons Dieu pour toutes choses. Et ce n'est pas grave. De toute façon, personne ne va sortir aujourd'hui. Donc, on a tout notre temps. Merci Jésus. Clémentine, partage. Faites un maximum de partage. Un maximum de partage. Voilà, que tout le monde puisse avoir le lien, Gloire à Dieu, soyez bénis. C'est vrai que hier, minuit, on devait faire que 30 minutes, mais on est parti au-delà. On n'a pas beaucoup dormi, mais le Seigneur nous fortifie. Estelle Mombo, sois bénie, je t'ai vue, sois bénie. Alléluia, nous allons commencer notre prière. Merci Jésus. Morénique, sois bénie. Rebecca, sois bénie. Maureen, gloire à Dieu. Père, nous te bénissons ce matin encore pour ta grâce. Merci de nous avoir réveillés. Merci de nous avoir donné encore, Seigneur, le souffle de vie ce matin. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas par nos acquis, mais c'est par ta grâce. Nous voulons te reconnaître comme Dieu ce matin. Nous voulons encore te reconnaître comme l'auteur de nos vies. Nous voulons te célébrer, oh Dieu. Alors que nous voulons encore intercéder, alors que nous voulons encore prier. Saint-Esprit, que tu nous assistes, que tu inspires les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas parler de nous, mais nous voulons, Seigneur, prier, être inspirés par toi. Nous te prions, ô Dieu, d'agréer encore notre prière de ce matin comme un parfum de bonne odeur. Alors que nous dévançons l'aurore,
afin de commander au matin. Oui, Seigneur, que tu agrées notre prière. Que les anges viennent prier avec nous. Que les anges de la matinée soient avec nous, afin que, Seigneur, notre célébration soit une célébration qui te soit agréable. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. J'acclame encore. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous partageons à un maximum. Alors, sans plus tarder, nous allons dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2. Alléluia. Merci Jésus. 2 Rois, chapitre 2. À partir du verset 18. 2 Rois 2 à partir du verset 18. Est-ce que nous pouvons l'écrire? 2 Rois 2 à partir du verset 18. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit: ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alléluia. Verset 20, il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis les eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Parole du Seigneur. Alléluia. Célia Shalom. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Écris avec moi: assainir les eaux. Assainir les eaux. Assainir les eaux. Alléluia. Verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alléluia. Nous sommes dans le cas où Élisée arrive dans ce pays. Alléluia. Et dans ce pays, les eaux, dans ce pays, il arrive à Jéricho. Et ce pays avait les eaux amères. Le séjour était bon. Tout ce qu'on pouvait voir était bon. Tout ce qu'on pouvait voir avec l'apparence était bon. Mais les eaux étaient amères. Alléluia. Et le pays était stérile. Voici, les eaux sont amères et le pays est stérile. Les eaux sont amères et le pays est stérile. Même dans ma version, c'est: mais les eaux sont mauvaises. Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Et nous voyons comment Élisée a pris du sel. Il est parti à la source. À la source de l'eau. À la source des eaux, pardon, à la source des eaux, et il a mis le sel et il a assaini l'eau. Alléluia, il a assaini l'eau du pays. Au verset 22, il est écrit: et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Bien-aimés, alors que nous sommes en train d'intercéder par rapport au pays, alors que nous sommes en train de prier pour que ce fléau, ce virus, cette contagion, cette épidémie, cette pandémie puisse être éradiquée. Alléluia, éradiquée. Nous sommes exactement dans à peu près, nous sommes exactement dans le même contexte que Élisée à cette époque-là. Parce que nous voyons que notre séjour est bon. Autour de nous, le pays est bon. Les choses sont belles. Tout est bien. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est que les eaux, ce que j'appelle les eaux, l'air est pollué. L'air est pollué. Il y a un virus qui est en train de se promener. Un virus indolore, un virus invisible, un virus incolore, invisible. Un virus qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas d'odeur, qu'on ne peut pas voir, qui est invisible, qui est en train de faire un carnage. Le coronavirus ou encore le Covid-19. Alors nous avons besoin que le Seigneur puisse assainir la ville, que le Seigneur puisse assainir le pays, que le Seigneur puisse assainir la nation, que le Seigneur puisse assainir le pays afin que ce virus soit éradiqué. Alléluia. Nous avions dit que nous devons être les intercesseurs du milieu, quoi que les scientifiques sont en train de chercher, quoi que les gens de la santé sont au front, ils sont en train de prier, ils sont en train d'aider ceux qui sont malades. Mais nous devons prier,
Nous devons nous mettre à la brèche pour prier. Nous devons élever un mur. Dieu dit qu'il cherche un homme qui se tiendrait à la brèche pour élever un mur. C'est-à-dire que l'intercesseur a la capacité de mettre un mur et de faire un stop, ou encore de mettre un stop à une situation, d'arrêter une situation, d'arrêter une destruction, d'arrêter. Alléluia. C'est possible. Que les eaux soient assainies, que les eaux de la nation soient assainies, que les eaux du pays soient assainies, que tout ce qui est pollution, tout ce qui est virus, tout ce qui est mort puisse être anéanti par la puissance du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Et c'est pour cela que nous devons prier. Quand tu pries, tu élèves un mur et le mur en fait bloque la destruction. Dieu le dit dans... Excusez-moi. Pasteur, je vais te réquisitionner si c'est possible. Dieu le dit dans je pense que c'est dans Ézéchiel 22:30, où il est dit que Dieu cherche un homme qui va élever un mur. Dieu cherche un homme qui va élever un mur. Je pense que c'est Ézéchiel 22:30. Je crois qu'il est là. Si tu peux me le mettre, pasteur. Dieu cherche un homme qui va élever un mur. Ah bon? Si j'élève un mur, en d'autres termes, l'intercesseur élève un mur. Essayez de penser. L'intercesseur élève un mur. Le fléau est en train d'arriver. La dévastation est en train de faire rage. Alors l'intercesseur du milieu, il se met au milieu. Et quand il commence à intercéder, un mur se dresse et la destruction s'arrête. Alléluia. Waouh. J'attends qu'on me le mette à l'écran. Alors les eaux doivent être assainies. Pardon ma soeur. C'est Ézéchiel 22:30, il me semble. Est-ce que tu l'as là? Et tout en bas, oui. Ézéchiel 22:30. Voilà, quelqu'un a écrit, Célia a écrit l'hémorragie. Un intercesseur, quand il prie, il peut arrêter, bloquer, arrêter, enlever l'hémorragie. Alléluia. Oui, c'est très important. Arrêter le fléau. Ici, malgré que le séjour était bon, malgré que la ville était belle, mais les eaux étaient amères. Et aujourd'hui, le séjour peut être bon, mais l'air est amer. Notre air est pollué. Pourquoi? Par ce virus qui est en train de faire rage. Voilà, j'ai le verset ici devant moi qui dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. » L'intercesseur élève un mur. Alléluia. « Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Mais je n'en trouve pas. Et comme on a parlé de Moïse hier, voici ce que David dit de Moïse dans le psaume 106 au verset 23. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Alors, l'intercesseur du milieu est celui qui détourne la fureur de Dieu. Et celui qui vient faire changer d'avis. Alléluia à Dieu, c'est très important. Arrêter ce virus, qu'il soit arrêté, qu'il soit anéanti. Alors l'Église, nous devons nous lever pour prier. L'intercesseur que tu es, l'intercesseur que je suis, l'intercesseuse que je suis, doit se lever pour prier. C'est très important. Nous voulons intercéder ce matin afin que les eaux du pays soient assainies, afin que l'air ne soit plus pollué, afin que ce virus soit éradiqué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce virus soit éradiqué dans le nom puissant de Jésus. Nous en avons la capacité. Alléluia. Le temps que les scientifiques cherchent leur vaccin. Mais nous, par la prière, nous pouvons faire arrêter les choses au nom puissant de Jésus. Les scientifiques, les médecins, toute cette partie de les chercheurs, les pompiers, les policiers, en tout cas, ça c'est la partie visible de ce que nous voyons. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais nous devons travailler en bas de l'iceberg. Pensez à l'iceberg, nous avons la partie visible, le petit la petite partie visible et le petit, vous voyez, le petit sommet, voilà. Et à l'intérieur, la plus grosse partie à l'intérieur, elle est cachée. C'est caché. Toi, tu vois seulement une petite partie. Ah, il y a un iceberg ici. Mais en fait, en dessous, nous devons travailler en dessous. Nous devons être ceux qui travaillent en dessous pour prier afin que Dieu puisse les toucher, afin que Dieu puisse leur donner la force, Dieu puisse les inspirer, Dieu puisse les orienter. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est le diable qui va les orienter. Alléluia. Nous devons prier.
prier et c'est là notre place, c'est là notre travail. Nous ne pouvons pas regarder les choses se passer telles quelles et juste constater les dégâts. Alléluia, ce n'est pas ça. Mais nous devons prier, intercéder, assainir les eaux, assainir l'atmosphère, assainir l'air et que ce virus soit éradiqué dans le nom de Jésus. On acclame le Seigneur, nous allons prier. Alléluia. On acclame le Seigneur, nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es digne de louange ce matin. Alléluia. Merci Seigneur, oh Dieu. Bien-aimé, tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas dire merci à notre Dieu ce matin. Tu vas dire au Père ce matin, « Ô Père, je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin parce que c'est toi qui es capable d'assainir l'atmosphère de mon pays. Tu es capable d'assainir, alléluia, l'air de mon pays. Tu es capable d'assainir les eaux de mon pays. Tu vas dire, « Seigneur, je te célèbre ce matin. Merci pour ta parole qui me rappelle encore que c'est toi qui as les paroles de la vie. » Alléluia. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui es la vie. Alors, je veux te célébrer. Je veux te louer. Je veux t'exalter. Commence à prier avec moi. Alléluia. Bénis le Seigneur pour son amour, pour sa grâce ce matin, dans le nom de Jésus. Prions ensemble, alléluia. Père, nous te bénissons encore ce matin, nous te louons. Merci pour ta parole qui nous rappelle ce matin, oh Dieu, que tu as la capacité, c'est toi qui as le pouvoir, qui as la capacité d'assainir, oh Dieu, les eaux du pays. C'est toi qui as la capacité d'assainir l'air du pays, d'assainir l'atmosphère du pays. Nous te bénissons, nous te louons encore. Merci pour ta parole qui nous encourage encore ce matin, qui nous donne la foi afin que la peur ne prenne pas place. Merci pour ta parole qui nous donne la foi afin que nous puissions être positionnés sur le rocher inébranlable qui est Christ. Reçois la gloire et la louange. Reçois la magnificence ce matin. Père de gloire, nous voulons te célébrer. Père de gloire, nous voulons t'adorer. Père de gloire, nous voulons encore élever ce matin un parfum d'adoration devant toi pour te dire que tu es Dieu. Merci Seigneur, car c'est toi qui as la capacité de donner la vie et d'ôter la vie. Merci ô Père, parce que c'est toi qui as le secret d'assainir le pays, le secret d'anéantir ce virus, coronavirus. Merci car rien n'est étonnant devant toi, rien n'est caché devant toi. Reçois la gloire au grand Dieu, reçois la gloire au grand roi, reçois la magnificence au grand maître. Ce matin, nous voulons te célébrer. Ce matin, nous voulons te louer. Ce matin, nous voulons te louer. Ce matin, nous voulons te chanter. Nous voulons nous joindre aux anges du matin afin de pouvoir, oh Dieu, te célébrer, afin de pouvoir, oh Dieu, te donner des clameurs, afin de pouvoir, oh Dieu, t'ovationner ce matin, afin de pouvoir lancer des cris de joie. Nous te bénissons, nous te louons, car rien n'est étonnant devant notre Dieu. Rien, Seigneur, ne te surprend. Rien ne te dépasse. Rien n'est difficile pour toi. Alléluia. Tu connais toutes choses par avance. Tu connais le secret de toutes choses. Oui, Seigneur, tu as dit, alléluia, aux hommes cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Oui, tout est possible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Tu as dit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien, absolument rien. Nous voulons te célébrer, te louer, car tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses. Reçois la gloire et la louange, reçois la magnificence, reçois l'exaltation. Oh Dieu, reçois la louange ce matin, reçois Seigneur nos cœurs qui s'élèvent vers toi, reçois le parfum d'adoration qui se lève devant le trône de ta grâce. Nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier, alléluia. Oui, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de la grâce, afin de trouver grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. Nous voulons te célébrer et te louer, toi qui es le rocher inébranlable. Oui, notre joie ce matin est que Seigneur, nous sommes positionnés sur le rocher inébranlable qui est Christ. Alors nous te bénissons, nous te louons. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin, ma joie ce matin est que je suis positionné sur le rocher inébranlable qui est Christ. Ma joie ce matin est que je suis positionné sur le rocher inébranlable qui est Christ. Ma joie ce matin est que ma maison est positionnée sur le rocher inébranlable qui est Christ. Quand tu es positionné sur le rocher inébranlable qui est Christ, alléluia, le virus ne peut pas t'atteindre, le virus ne peut pas te localiser parce que tu es caché sous l'abri du Très-Haut, parce que tu es caché à l'ombre du Tout-Puissant. Le fléau ne peut pas t'atteindre, le fléau ne peut pas te toucher, la calamité ne peut pas te toucher parce que tu es posé sur le rocher inébranlable qui est Christ. Oui, Père, je te bénis, je te glorifie parce que je suis posé, je suis positionné sur le rocher inébranlable qui est Christ. Non pas seulement positionné, mais je suis dans le creux de son rocher. Tu es caché dans le creux de son rocher. Alors tu es invisible.
invisible et inaccessible aux yeux du virus, dans le nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur. Merci, merci. À la même occasion, bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire merci pour le salut de ton âme. Alors que le monde est en train de soupirer, alors que le monde est dans le désarroi, alors que le monde est dans l'angoisse, mais nous sommes dans la paix. Pourquoi? Parce que nous avons le salut de nos âmes. Tu vas bénir Dieu ce matin pour le salut de ton âme. Tu vas dire, mon Père, je te bénis ce matin. Merci pour le salut de mon âme. Merci de m'avoir enlevé des ténèbres et de m'avoir ramené dans ton admirable lumière. Je te bénis, je te loue, je t'exalte parce que ta lumière est ma sécurité. Ta lumière est ma force. Ta lumière est mon habileté. Ta lumière est ma capacité. Ta lumière est mon agilité. Ta lumière est ma guérison. Ta lumière est ma sécurité. Ta lumière est ma forteresse. Ta lumière est ma force. Ta lumière, ta lumière, ta lumière. Tu dis merci pour le salut de ton âme. Il faut dire merci à Dieu pour le salut de ton âme. Tu dois reconnaître qu'il t'a pris les ténèbres et qu'il t'a ramené à son admirable lumière. Il t'a enlevé de la pauvreté. Il t'a ramené à sa richesse. Alléluia. Il t'a enlevé de la malédiction. Il t'a ramené, alléluia, dans sa justification, dans sa délivrance, dans son salut. Alors dis merci, merci pour le salut de mon âme. Reçois la gloire et la louange ce matin. Reçois la magnificence ce matin. Ô Seigneur, laisse-moi te célébrer. Laisse-moi te célébrer. Laisse-moi te magnifier. Laisse-moi t'exalter. Reçois la gloire et la louange dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alléluia, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, nous voulons encore nous repentir devant Dieu. Demandez pardon pour tous les péchés connus et inconnus. Demandez pardon pour les péchés du pays afin que les eaux soient assainies. Demandez pardon pour les péchés du pays afin que l'air soit assaini. Demandez pardon pour les péchés des autorités afin que notre atmosphère soit assainie, afin que le coronavirus soit arrêté dans le nom de Jésus. Tu vas demander pardon. Demande pardon pour tout péché commis, pour tout péché connu, pour tout péché inconnu. Demande pardon pour les péchés de nos autorités, pour les péchés de notre pays. Tu vas demander pardon. Positionne-toi en intercesseur du milieu et demande pardon afin que Dieu pardonne. Afin que Dieu pardonne. Prions le Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous venons encore te demander pardon ce matin. Père, je te demande pardon ce matin. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés connus et inconnus. Pardonne toutes choses, Seigneur, qui m'empêchent d'élever une prière pure devant toi. Pardonne, Seigneur, les pensées de mon cœur. Pardonne les paroles de ma bouche. Je viens, Seigneur, te demander pardon aussi pour les péchés de mon pays. Pardonne les péchés de mon pays. Pardonne les péchés de ma nation. Pardonne les péchés des habitants de mon pays. Pardonne les péchés, Seigneur, de l'Église. Pardonne les péchés, Seigneur, de tes enfants. Pardonne nos péchés et guéris notre pays. Pardonne nos péchés, Seigneur, et anéantis le coronavirus. Pardonne nos péchés et guéris, Seigneur, guéris. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour toute mauvaise décision qui a été prise, Seigneur, prise par les autorités. Nous te demandons pardon pour toute chose, Seigneur, que nous faisons dans le pays et qui ne te glorifie pas. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que nous, en tant qu'Église, nous ne faisons pas. Nous te demandons pardon, Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur, pardonne et délivre ton pays. Pardonne et délivre mon pays. Pardonne et délivre, Seigneur, délivre, guéris. Tu as dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pardonne, Seigneur, nos fautes. Pardonne les péchés, Seigneur, de ma maison. Pardonne les péchés de mon époux. Pardonne les péchés de mes enfants. Pardonne mes péchés, ô Dieu. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Pardonne tout péché que nous avons commis. Pardonne toute chose que nous avons fait et qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas glorifié, qui ne t'a pas, Seigneur, donné gloire. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous chaque fois que le Saint-Esprit a parlé et nous n'avons pas écouté. Pardonne-nous chaque fois que le Saint-Esprit a averti et nous n'avons pas écouté. Pardonne-nous chaque fois que nous sommes allés vers le péché. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Accorde-nous ton pardon et assainis les eaux de la nation. Assainis les eaux du pays. Assainis l'air du pays. Nous te supplions ce matin. Nous te supplions ce matin. Pardonne, Seigneur, pardonne et que le coronavirus soit anéanti et que le coronavirus soit détruit et que ton peuple soit libéré dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur,
On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, alléluia. On acclame le Seigneur, alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Nous allons encore inviter le Saint-Esprit à prendre encore le contrôle. Nous allons encore inviter le Saint-Esprit à se mouvoir. Bien-aimé, j'aimerais que quand tu pries en fait pour le Saint-Esprit, que tu puisses émettre un grand désir. Tu dois soupirer après lui. Tu dois soupirer. David dit comme une biche soupire près des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après le Dieu vivant. Ainsi mon âme soupire auprès de toi. Ainsi mon âme a soif de toi. Que nous puissions émettre beaucoup de soif. Quand tu demandes le Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te prie, prends encore le contrôle. Qu'il prenne d'abord le contrôle de ta vie. Quand il va prendre le contrôle de ta vie, alors tu vas prier pour qu'il prenne le contrôle de la nation. Alléluia. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je viens encore devant toi. Je t'expose mon cœur. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de mon corps. Prends le contrôle de mes sentiments. Prends le contrôle de tout. Saint-Esprit, façonne-moi. Saint-Esprit, façonne-moi. Saint-Esprit, conduis-moi dans tes chemins. Saint-Esprit, que tu puisses me donner la forme que je dois avoir. Saint-Esprit, je te prie, prends toute la place. Expose à mon esprit tout ce qui doit changer. Expose à mon esprit tout ce que je dois laisser afin d'être exaucé. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis-moi. Je le dis en général, mais tu vas prier selon que le Saint-Esprit va commencer à t'inspirer. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle total de ta vie dans le nom de Jésus, de ta maison, de ta famille. Prions le Seigneur. Alléluia. Ô Saint-Esprit, ce matin, nous venons encore devant toi. Saint-Esprit, ce matin, nous soupirons encore après toi. Mon âme a soif de toi ce matin. Mon âme soupire après toi. Ô Saint-Esprit, je te désire. Saint-Esprit, je te désire. Je te désire. Prends le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de ma vie. Viens encore me façonner. Ô Saint-Esprit, ce matin, que tu exposes à mon esprit toute chose qui doit changer. Que tu exposes à mon esprit toute chose que je dois arrêter afin que ma prière soit agréable. Afin que ma prière soit agréée devant Dieu. Ô Saint-Esprit, je te prie ce matin. Je te prie ce matin. Expose à mon esprit tout péché qui m'empêche d'être exaucé devant Dieu. Je te prie, Saint-Esprit, façonne-moi. Saint-Esprit, façonne-moi. Maîtrise mon cœur. Enlève tout ce qui m'éloigne de Dieu. Enlève tout ce qui m'éloigne de Dieu. Brise l'orgueil. Saint-Esprit, viens encore me façonner. Viens encore me façonner. Prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de mon intelligence. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma maison. Ô Saint-Esprit, oui, que tu me plonges encore dans tes eaux. Que tes torrents d'eau que tes torrents d'eau puissent encore m'immerger, m'inonder. Oui, que je sois comme un cornichon qui a été plongé, imbibé dans le liquide. Saint-Esprit, je t'en supplie. Saint-Esprit, je t'en supplie. Afin que je sois transformé, afin que je sois changé, afin que je sois délivré. Saint-Esprit, je t'en supplie. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Immerge-moi dans tes eaux. Immerge-moi dans tes torrents. Alléluia. Que tes vagues puissent tomber sur moi, se déferler sur moi, afin que l'onction vienne dans ma vie. Saint-Esprit, je t'en supplie. Saint-Esprit, je t'en supplie. Oui, que ton feu puisse encore me purifier ce matin. Que ton feu puisse brûler tout ce qui ne te glorifie pas ce matin. Que ton feu puisse brûler tout ce qui ne te glorifie pas ce matin. Dans ma maison, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, ce matin, je te prie que ton vent puisse souffler afin d'anéantir, afin de faire tomber tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je me livre à toi. Saint-Esprit, je me donne à toi. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Alléluia. Toi qui connais les profondeurs du cœur de Dieu. Ô Saint-Esprit, que tu m'emmènes dans le cœur de Dieu. Que tu m'emmènes dans les voies de Dieu. Que tu m'emmènes dans les voies de Dieu. Délivre-moi de toutes choses qui m'empêchent de voir la gloire de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit, purifie mes yeux afin que je voie. Saint-Esprit, purifie mes yeux. Mets les colliers dans mes yeux afin que je puisse voir. Saint-Esprit, mets des gouttes dans mes oreilles. Oui, enlève les bouchons afin que j'entende ta voix, afin que je puisse suivre la direction que tu me donnes. Saint-Esprit, je t'en supplie, ce matin, purifie mes yeux que je puisse voir. Ce matin, purifie mes yeux que je puisse voir la direction que tu me montres. Saint-Esprit, ce matin,
matin, purifie mes oreilles, alléluia, afin que je puisse entendre la direction que tu me montres, la direction que ce que tu es en train de me dire. Saint-Esprit, je t'en supplie, ce matin nous avons besoin de toi, plus que jamais nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Dans la tour de prière semaine, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu nous conduises, Esprit du Dieu vivant. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Saint-Esprit, toi qui as la capacité d'arrêter le coronavirus, Saint-Esprit, toi qui as la capacité en un instant de détruire, d'anéantir le coronavirus, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Oui, la Bible déclare, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, plus que jamais, alléluia, plus que jamais nous avons besoin de toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, alléluia. Nous avons lu dans 2 Rois 2, à partir du verset 21, la Bible dit, « Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. » Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, alléluia, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Alors nous allons prier, alléluia. Tu vas dire, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, par la puissance du Saint-Esprit, assainis les eaux du pays, assainis les eaux de la nation, assainis non pas seulement les eaux, mais tu vas dire l'air, alléluia, assainis l'air de ma nation, afin que le coronavirus soit anéanti dans le nom de Jésus. Purifie l'air que nous respirons, purifie les eaux que nous buvons, purifie toutes choses, afin que, Seigneur, afin que le coronavirus soit arrêté dans le nom puissant de Jésus, afin que le coronavirus soit arrêté dans le nom puissant de Jésus. Pour les modératrices qui écrivent, je recommence encore. Mon Père, je te prie par la puissance du Saint-Esprit, alléluia, assainis l'air du pays, assainis l'air du pays, assainis l'atmosphère, assainis les eaux que nous buvons, assainis, alléluia, commence à assainir, alléluia, assainis toutes choses, alléluia, que tu puisses assainir les eaux que nous buvons dans le pays, dans le nom de Jésus, et que le coronavirus soit arrêté, que la mort soit arrêtée, que la stérilité soit arrêtée, que la mort soit anéantie, que la stérilité soit anéantie dans le pays, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. Mon Père, ce matin nous venons encore devant le trône de ta grâce, afin de trouver miséricorde, afin de trouver compassion. Mon Père, nous prions encore ce matin, oui, par la puissance du Saint-Esprit, nous te prions, mon Père, que tu puisses assainir les eaux du pays, assainis, oh Dieu, l'air que nous sommes en train de respirer dans ce pays, assainis, oh Dieu, l'atmosphère que nous sommes en train de respirer dans notre nation, que cela soit assaini, que le coronavirus soit anéanti dans le nom de Jésus, que le coronavirus soit anéanti dans le nom de Jésus, que la stérilité quitte au nom puissant de Jésus, que la mort quitte au nom puissant de Jésus, que la maladie quitte au nom puissant de Jésus, que le virus soit anéanti au nom puissant de Jésus. Nous te prions, oh Dieu, nous te prions. La Bible déclare, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, alors il agira. Ce matin, nous venons te remettre le sort de la nation. Ce matin, nous venons te remettre le sort des peuples. Ce matin, nous venons te remettre le sort du pays. Agis, oh Dieu, que tu puisses assainir l'atmosphère, que tu puisses assainir l'air, dans le nom puissant de Jésus, 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 alléluia. Que le virus soit arrêté, que la propagation du coronavirus soit arrêtée dans le nom de Jésus. Oh mon Père, que tu puisses assainir l'air que nous sommes en train de respirer, dehors, dans la maison, partout, que cela soit assaini dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous te prions, manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, mon Père, alléluia, mon Père, fais pleuvoir une pluie neutralisante. C'est les prières prophétiques. La prière prophétique, tu es en train de dire des choses, tu es en train de décréter des choses, tu es en train de demander des choses. Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Bien-aimé, fais des prières prophétiques. Nous devons faire des prières prophétiques. Quand tu fais cette prière, fais-la avec foi. Alléluia. Tu vas dire, mon Père, fais pleuvoir une pluie neutralisante, alléluia, une pluie de restauration,
qui va faire arrêter le coronavirus dans le nom de Jésus. Oui, nous croyons que Dieu est capable de faire pleuvoir une pluie, alléluia, en une journée, et le coronavirus est complètement arrêté. Alléluia. Il est capable de faire pleuvoir une pluie qui va assainir l'atmosphère, une pluie restauratrice, une pluie, alléluia, neutralisante, qui va neutraliser le virus, qui va neutraliser ses effets, qui va neutraliser sa propagation dans le nom de Jésus. Alors commence à prier, demande au Père de faire pleuvoir une pluie, alléluia, une pluie de restauration, une pluie neutralisante, une pluie qui va faire arrêter le coronavirus dans le pays, dans le nom de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mon Père, ce matin, je viens encore devant le trône de ta grâce. Oh mon Père, je prie ce matin. Oh, fais pleuvoir une pluie neutralisante. Fais pleuvoir, alléluia, une pluie de restauration. Qui va faire arrêter le coronavirus dans le nom de Jésus? Qui va arrêter la propagation du coronavirus dans le nom de Jésus? Qui va arrêter la contagion? Qui va anéantir la contagion dans le nom de Jésus? Oh mon Père, fais pleuvoir une pluie neutralisante qui va neutraliser tous les foyers de contamination dans le nom puissant de Jésus. Oui, tu es capable de le faire. Parce que tu es Dieu, tu es capable de le faire parce que tu es le roi. Mon Père, ce matin, nous te prions, fais pleuvoir afin que l'air du pays soit assaini, afin que l'atmosphère de la nation soit assainie, afin que le virus soit arrêté, afin que la mort quitte, afin que la stérilité quitte, afin que la maladie quitte, afin que les angoisses quittent dans le nom de Jésus. Mon Père, fais pleuvoir une pluie qui va assainir, une pluie qui va détruire le virus dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh mon Père, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir une pluie de restauration, une pluie qui va, alléluia, assainir le pays, une pluie qui va assainir l'air, une pluie qui va stériliser les choses, une pluie qui va ramener des anticorps, une pluie qui va ramener des antidotes dans le nom de Jésus. Oh, toi qui es capable, toi qui as nourri les enfants d'Israël avec la manne qui venait du ciel, toi qui as nourri les enfants d'Israël avec les cailles qui venaient du ciel, tu es capable de faire pleuvoir la pluie de restauration, la pluie de délivrance, la pluie, alléluia, de l'arrêt de la propagation du virus. Tu es capable de faire pleuvoir la pluie qui va arrêter la plaie. Nous te prions, alléluia. Entends la voix de tes justes, entends la voix de tes enfants, entends la voix de tes serviteurs. Nous prions, oh Dieu, nous prions, fais pleuvoir la pluie de restauration, afin que la stérilité quitte, afin que la maladie quitte, afin que la mort quitte, dans le nom de Jésus. Fais pleuvoir la pluie, une pluie, alléluia, neutralisante, qui va neutraliser le virus, une pluie qui va anéantir le COVID-19, une pluie qui va anéantir, qui va arrêter les plans des ténèbres dans le nom de Jésus, une pluie qui va arrêter les plans des ténèbres dans le nom de Jésus. Fais pleuvoir, bien aimé, prie, fais pleuvoir, oh Dieu, fais pleuvoir, incline les cieux et fais pleuvoir sur la nation, fais pleuvoir sur le pays, fais pleuvoir sur les territoires, fais pleuvoir, mon Dieu, afin que, Seigneur, la propagation du virus soit anéantie dans le nom de Jésus. Envoie la pluie, la pluie de restauration, la pluie de délivrance, la pluie de guérison, la pluie qui va juger le coronavirus, la pluie qui va arrêter la plaie, la pluie qui va arrêter la plaie, la pluie qui va neutraliser dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh mon Père, fais pleuvoir la pluie d'assainissement, la pluie de restauration, la pluie de délivrance, la pluie, alléluia, fais pleuvoir la pluie sur le pays, au nom de Jésus. Fais-le parce que tu es Dieu. Fais pleuvoir, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Nous allons prier pour les chercheurs, nous allons prier pour les scientifiques. Alléluia, nous devons prier pour eux, pour que tout ce qu'ils vont faire soit inspiré du Saint-Esprit, soit inspiré de Dieu. Alors, tu vas prier ce matin. Dites-moi, nous sommes au quantième sujet de prière. Comme je ne l'ai pas écrit, je ne sais pas. Comme ça, je vais savoir quand est-ce que je m'arrête. Tu vas prier ce matin et tu vas dire, alléluia, ô Saint-Esprit, accorde aux chercheurs de mettre au point, écoutez bien, accorde aux chercheurs de mettre au point, alléluia, un vaccin
et un traitement qui guérira plusieurs personnes. Tu dois avoir la foi quand tu pries. Ô Saint-Esprit, accorde aux chercheurs. Accorde aux chercheurs, alléluia, de mettre au point un vaccin et un traitement qui va guérir plusieurs personnes. Ô Saint-Esprit, accorde, oui, que le Saint-Esprit donne l'intelligence, que le Saint-Esprit inspire les pensées de leur cœur, que le Saint-Esprit inspire leurs actions, que le Saint-Esprit soit l'auteur de tout ce qu'ils vont faire comme vaccin, que le Saint-Esprit soit l'auteur de tout ce qu'ils vont trouver comme médicament, que le Saint-Esprit soit l'auteur dans le nom de Jésus, que cela ne vienne pas du diable, mais que cela soit inspiré du Saint-Esprit. Commence à prier, alléluia. Ô Saint-Esprit, nous te prions ce matin. Accorde aux chercheurs, accorde aux scientifiques de mettre au point un vaccin. Un vaccin, oh Dieu, et un traitement qui va guérir plusieurs personnes, qui va guérir des enfants, qui va guérir des adultes, qui va guérir les seniors, qui va guérir plusieurs personnes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, car tu as la solution, car tu sais ce qu'il faut faire, tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour que, Seigneur, le coronavirus soit anéanti. Ô Saint-Esprit, nous te prions, sois au contrôle de la science, dans le nom de Jésus, inspire tout ce qu'ils vont faire au nom puissant de Jésus, afin que plusieurs soient guéris, afin que plusieurs, ô Dieu, soient libérés, afin que plusieurs, alléluia, soient, puissent avoir la guérison, afin que, ô Dieu de gloire, la mort soit arrêtée, afin que le désastre soit arrêté, afin que la propagation du virus soit arrêté, afin que, Seigneur, des vies soient libérées dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous voulons prier encore pour les pays en voie de développement. Tu vas prier ce matin, tu vas dire: Père, fais grâce, protège les pays en voie de développement. Protège les pays en voie de développement. Que l'ange de l'Éternel stoppe la propagation du virus dans les pays fragiles au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel stoppe la propagation du virus dans les pays fragiles dans le nom de Jésus. Les pays comme l'Afrique, les pays en voie de développement, que ces pays soient épargnés. Même si c'est arrivé, que cela ne puisse pas être propagé. Que notre Dieu épargne ces pays fragiles dans le nom de Jésus. Intercède, bien-aimé, intercède pour les pays en voie de développement dans le nom de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, nous te prions, Père, fais grâce. Fais grâce ce matin. Fais grâce ce matin, Père. Protège tous les pays qui sont en voie de développement. Protège tous les pays, alléluia, en voie de développement. Que l'ange de l'Éternel puisse stopper la propagation du virus dans le nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel puisse stopper la propagation du coronavirus dans ces pays fragiles au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, aie pitié, pardonne leurs péchés, pardonne les péchés, Seigneur, de ces pays, pardonne, Seigneur, tout ce qu'ils ont pu faire et qui irrite, Seigneur, irrite ton cœur. Mais nous te prions, Seigneur, oh Dieu, pardonne et arrête, que l'ange de l'Éternel arrête la propagation du virus dans les pays en voie de développement, dans le nom de Jésus. Fais grâce, Seigneur, souviens-toi de l'Afrique, souviens-toi, Seigneur, des pays de l'Asie qui sont des pays fragiles, souviens-toi des pays de Seigneur de gloire, de l'Amérique du Sud qui sont des pays fragiles. Fais grâce, oh Dieu, fais grâce, que ton ange puisse stopper la propagation de ce virus dans le nom de Jésus, et que, Seigneur, les peuples soient protégés, que les peuples soient gardés, et que, Seigneur, ta faveur soit sur eux dans le nom puissant de Jésus. Fais grâce, oh Dieu, protège ces populations fragiles, protège ces pays fragiles dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, je pense que c'est le 10e sujet. Tu vas prier 9e, ok, d'accord, 9e. Alors tu vas prier et tu vas dire maintenant, tu vas dire que l'arrosoir du sang de Jésus, tu vas te mettre en prière de décret. Tu vas dire: je déclare et je décrète ce matin que l'arrosoir du sang de Jésus puisse assainir le pays. Que l'arrosoir du sang de Jésus assainit le pays maintenant dans le nom de Jésus. Que l'arrosoir du sang de Jésus anéantit les effets du coronavirus au nom puissant de Jésus. L'arrosoir du sang de Jésus anéantit tout foyer de contamination du virus dans le nom puissant de Jésus. L'arrosoir du sang de Jésus, commence à prier par la foi. Fais des prières de foi. Commence à prier: je déclare maintenant que l'arrosoir du sang de Jésus anéantit
aussi anéantis tout effet du virus au nom de Jésus. L'arrosoir du sang de Jésus, anéantis le coronavirus dans le nom de Jésus. Je prends l'arrosoir du sang de Jésus. L'arrosoir du sang de Jésus commence à assainir le pays, commence à assainir les foyers de contamination, commence à assainir les régions, commence à assainir les maisons, commence à assainir toutes choses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, l'arrosoir du sang de Jésus commence à assainir l'air que nous sommes en train de respirer. L'arrosoir du sang de Jésus commence à assainir le pain que nous mangeons. L'arrosoir du sang de Jésus commence à assainir l'eau que nous buvons. Dans le nom de Jésus, 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 l'arrosoir du sang de Jésus, l'arrosoir du sang de Jésus assainit toutes choses. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'arrosoir du sang de Jésus, l'arrosoir du sang de Jésus anéantit tout virus, anéantit toute chose dans le nom de Jésus. L'arrosoir du sang de Jésus commence à assainir notre air, l'air que nous sommes en train de respirer dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, alors que nous sommes en train de devancer l'aurore, nous allons prier encore pour le soleil de ce jour. Alléluia. Tu vas déclarer par la foi. Tu vas déclarer, tu vas te positionner dans les cieux. Comme j'expliquais hier, nous sommes en Christ, nous sommes positionnés à partir d'en haut. Nous sommes en train de prier. Alors tu vas déclarer, alléluia, que les rayons du soleil de ce jour, que les rayons du soleil de ce jour se transforment en chair de feu pour détruire et anéantir le coronavirus au nom de Jésus. Que les rayons du soleil de ce jour, que les rayons du soleil de ce jour, alléluia, se transforment en chars de feu. Que ça ne soit pas seulement des rayons du soleil, mais que cela soit des chars de feu, se transforment en chars de feu, se transforment en rayons X pour détruire le coronavirus dans le nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Oui, je déclare ce matin au nom puissant de Jésus que les rayons du soleil de ce jour se transforment en chars de feu. Je déclare ce matin au nom de Jésus que les rayons du soleil de ce jour se transforment, alléluia, en rayons X spirituels pour détruire le coronavirus, pour détruire les effets du virus, pour détruire, alléluia, le virus qui marche en plein midi dans le nom de Jésus. Que les rayons du soleil de cette journée puissent se transformer en chars de feu pour détruire, pour anéantir le coronavirus dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et nous prions aussi pour les soignants. Que Dieu puisse les protéger, que Dieu puisse les fortifier. Alléluia. Oui, Père, nous prions pour les soignants, ceux qui travaillent à l'hôpital, ceux qui sont au front, en première ligne, que tu les fortifies, que tu les protèges, Seigneur. Que tu leur donnes la force du buffle. Que toi-même, tu puisses leur donner la capacité de faire leur travail jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Seigneur, nous pensons à eux. Et nous prions aussi, ô Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur. S'ils ne te connaissent pas, qu'ils puissent te connaître. S'ils ne te connaissent pas, que tu les attires à toi. Afin qu'eux aussi, ils puissent goûter à la joie du salut dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimés, pour terminer, nous prions pour l'Église, corps du Christ, que nous soyons un, que nous puissions prier. Alléluia. Tu vas prier pour l'Église, tu vas dire au Père, je prie pour l'Église, corps du Christ, je prie pour tous les chrétiens à travers le monde, que tous nous puissions élever la voix, que nous puissions prendre la chose à cœur, que nous puissions être des intercesseurs, que le Saint-Esprit touche, réveille le feu de l'intercession dans chaque chrétien, dans chaque pasteur, dans chaque église, que nous puissions tous élever la voix comme un seul homme, afin que le parfum puisse monter, afin que le parfum puisse monter, afin que le parfum puisse monter et que la plaie soit arrêtée. Prie pour l'Église, corps du Christ, que chaque chrétien qui ait un réveil de la prière, un réveil de l'intercession dans leur cœur pour ce sujet. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous prions, ô Dieu de gloire, encore pour l'Église, corps du Christ. Nous prions, Seigneur, pour ton Église. Réveille sur l'autel de nos cœurs le feu de la prière. Seigneur, réveille dans ton Église le feu de la prière. Que tous nous puissions être un pour prier pour le sujet. Non pas seulement les autres qui prient et les autres qui regardent. Non pas seulement des discordes inutiles. Non pas seulement, Seigneur, des discordes de doctrine inutiles, alors que nous devons nous mettre ensemble pour prier, pour prendre le brasier et pour brûler le parfum, afin que la plaie soit arrêtée. Ô Saint-Esprit, nous te prions de mettre dans les cœurs le feu de la prière, que chacun puisse prier, que chacun puisse se lever pour cette situation, que chacun puisse élever un parfum vers toi, vers le trône, afin que la plaie soit arrêtée et que, Seigneur, la destruction s'arrête dans le nom puissant de Jésus.
dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que tous les chrétiens à travers le monde puissent prier, que nous puissions être un et que nous puissions élever la voix. De partout où nous serons, que nous puissions élever la voix, afin que Seigneur, tu puisses assainir les nations, afin que tu puisses délivrer le pays, afin que Seigneur, ton nom puisse encore être élevé au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Père, merci pour ce temps de prière, je te bénis, je te loue. Seigneur, merci, malgré les problèmes techniques, mais tu as permis que nous puissions être sur cette plateforme qu'est Facebook. Nous te bénissons, nous te louons. Merci d'avoir permis cela, oh Dieu. Merci de nous avoir assistés pendant ce temps de prière. Merci d'avoir agréé nos prières. Merci d'avoir, Seigneur, accepté nos prières ce matin comme une offrande, Seigneur, de bonne odeur. Nous te bénissons, nous te louons. Merci, Père, car nous croyons et nous savons que tu nous as exaucés. Je te confie encore cette journée entre tes mains, le reste du programme entre tes mains. Fortifie-nous, même si le corps est fatigué, que tu puisses nous fortifier afin que nous puissions encore nous voir à midi, que nous puissions encore nous voir à 18h, que nous puissions nous voir à 21h, que nous puissions nous voir à minuit. Seigneur, fortifie-nous afin que, Seigneur, ton nom soit encore glorifié au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Bénis cette journée, que les entrailles de cette journée nous soient favorables, que les portes de cette journée, Seigneur, puissent ramener la bénédiction dans la vie de tes enfants, que les portes de cette journée puissent ramener le témoignage dans la vie de tes enfants, que les portes de cette journée puissent ramener la joie dans la vie de tes enfants et que, Seigneur, les anges attachés à cette journée puissent faire ministère autour de tes enfants. Merci pour l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous afin de nous arracher au danger. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons trois fois Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Je vais travailler pour mettre cette prière sur YouTube pour que les autres aussi puissent bénéficier de cette prière-là qu'ils ont ratée ce matin. Que le Seigneur soit béni. Blandine, soit bénie, soit fortifiée. Shalom, shalom, nous sommes arrivés à la fin. Madeleine, sois bénie. Merci pour tout, merci, que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Jean-Louis, Félix, merci pour tout. Soyez bénis, merci pour l'amour que vous nous portez. Merci à toutes mes filles spirituelles, merci beaucoup. À la famille TPS, merci pour votre cœur. Vous êtes juste un peuple incroyable, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous avoir. Soyez bénis. Assurément, vous êtes des passionnés de Dieu. Vous avez la passion de Dieu. Vous le cherchez, comme j'ai chanté dans ma chanson où j'ai dit, oui, je viens devant le trône jusqu'à ce que je te trouve. Père, me voici dans ta présence. T'offrir un chant de louange devant ta face. Toutes mes craintes s'effacent. Mon cœur à genoux déverse mes insuffisances. Et je dis, je viens, Seigneur, pour céder mon cœur. Je viens jusqu'à ce que je vais te trouver. Oui, nous croyons que nous sommes ce peuple-là. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vous dis à tout à l'heure midi. Lydie, sois bénie. Sois bénie. À tout à l'heure midi, soyez bénie. Alors, pour ceux qui m'appellent, privilégiez plutôt les messages. Les appels, vraiment, c'est un peu compliqué. Privilégiez. Envoyez-moi plus des messages WhatsApp. Je peux vous répondre plus facilement que de me téléphoner. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, à très, très bientôt. À très bientôt. Merci, Rebecca. Merci, Fab. Merci, Clémentine. Merci, Destin Rose. Soyez bénis. Donc, je vais donc arrêter la vidéo. Je vais arrêter la vidéo. Soyez bénis. À très bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification.